quel silence, vaine espérance, quelle souffrance, quel tourment, déchire mon cœur. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Sort cruel, quelle rigueur, je succombe à ma douleur, à ma douleur, à ma Les tabourets de Lord Blotton.
les tabourets de l'or bretonne, 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 les tabourets de l'or bretonne. Accélérer. Ok, on peut se tourner. Alors maintenant, on va reprendre les tabourets de Lord Bloton, mais cette fois, on va accélérer le rythme de la phrase. On part sur un c'est niveau... C'est bon pour l'articulation aussi. Donc on part très très lentement. François, les tabourets de Lord Bloton. Les tabourets de Lord Bloton. Les tabourets de Lord Bloton, 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 les tabourets de Lord Bloton. Alors on va tout faire. On est déjà là, on était tout à l'heure à l'école primaire, maternelle, et maintenant on est déjà en collège. Toi qui aimes bien gros, tu fais faire énormément de choses. Voilà, oui, dans le regard, c'est bon ça. Oui. Frère Jacques, frère Jacques, sauvez-vous. Dormez-vous. Dormez-vous, sonnez matine, dis-yan-yan, dis-yan-yan. Alors, c'est bien, c'est bien. C'est n'importe quoi. Vous êtes vraiment un Parisien. Pas n'importe quoi, il y a des choses bien. Vous allez recommencer, ce que je voudrais. Oh, et ça comme... C'est l'art, tout l'art de la répétition, qu'il est grand. Avec un chapeau, c'est terrible. Vous allez... Ce que je voudrais arriver, c'est que... Ce que je voudrais que vous arriviez à faire... C'est que vous veniez et que vous preniez vraiment, avant de prendre la position pour chanter, oui. C'est-à-dire que vous vous arrêtiez, vous vous arrêtez, vous marchez, vous vous arrêtez, oui. Vous regardez l'assistance, oui. Et pour l'assistance, vous poussez votre grand-père. Très bien. Voilà, allez-y. Si vous voulez chanter un air d'opéra, allez-y. Je n'ai aucun air en tête. Hein ? Je n'ai aucun air en tête. À moins que je chante... Que vous voulez. Auprès de ma blonde. Mais oui, mais oui. Ça, ça ne nous regarde pas, hein. Ah, si vous voulez pas, c'est militaire, c'est bien. Allez, on y va. Voilà, le regard sur la ligne bleue des Vosges, c'est bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Tous les oiseaux du ciel. Une demi. Patrick, s'il vous plaît. Après, je vous laisse tranquille. Vous prenez auprès de ma blonde et vous articulez. Pour moi, oui. Ma fille de cure. Oui. Mais pas forcément tout de suite, hein. Non, bah, je sais pas ce que je finis. Bien. Thank you.
Le sermon de monsieur le curé. Dieu, quel sermon! Oh là là, ce sermon! Le fasse, Michel. Tiens, toi droit. Le fond de l'air est frais. Noël au balcon, pas à Cotizo. En avril, n'autre pas un cil. Mais le soleil n'est pas tellement chaud. Enfin, pas trop. Les boucles retombent un peu sur le front cette année. Avec une vrillette sur l'oreille. Tu as vu, Dinette? Pas trop chaud, machin chouette, le soleil. Après la pluie, le beau temps. Tu n'as pas fini de loucher comme ça avec tes jambes. Tu louches des jambes, Tinette. Un petit coup d'ombrelle sur les jambes, voilà. Beauté divine, Tinette, on te regarde. Hé, hey, la mère, tu vois ce type? Un habit. Bigre, mais c'est Agénor. Agénor, le bel Agénor. Oh, voyons, le... Regarde, Tinette. Non, ne regarde pas. Ça ne te regarde pas. Regarde droit devant toi, beauté divine. Viens, la mère, on va être en retard. Merci beaucoup. C'est bien, ça, déjà, hein? Ouais, Michel, ça fait longtemps que vous faites du théâtre? Oui, j'en ai fait. Depuis mes premières années à la Borne. En 1969-71. Oui. Dans quelle pièce vous avez joué? Ah, pêle-mêle. J'ai joué une pièce de Molière, dans une pièce de Molière, qui s'appelait Le bourgeois gentilhomme, et même aussi, je crois, L'école des femmes. J'ai joué à la pièce qui m'a bien plu, c'est celle de Fujima. Ça existe? Oui. Fujima. C'était le tambourin de soie. Ah, ça c'était du bon temps. Oui, je me suicidais et je revenais comme fantôme. Ils seront donc sur le. On faudra mettre quelques chaises. Il y en a qui pourront être assis, qui pourront danser. Venir de temps en temps par là pour discuter, faire un tour. Les valets pourront distribuer, je sais pas quoi, des petits fours ou des trucs comme ça. Tu vois, qui est quand même un mouvement. Mais la musique, elle est quand même quasiment constamment là. Ou en sourdine, où elle vient en premier plan, mais il faudrait que. Le deuxième acte soit quand même... Musique et bruit, hein, parce qu'il y a beaucoup... Musique et bruit, le vent et tout ça. Musique et bruitage musicaux. Y a quelqu'un? Une lampe. Qui ça? Une lampe. Le prince? Chut, chut. Pour l'amour de Dieu, attention! Quel vent? C'est le vent de l'histoire. Où sont-ils tous? Dispersés, perdus. Mais qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre? Allez savoir. C'est bien passé quelque chose, mais allez savoir quoi. Et la princesse? Ici. Vous la reconnaissez pas? La table, c'est elle. Oh! Que s'est-il passé? C'est la révolution. Arrachez les jambes! Et ça? Je n'en sais rien. Mais vers où court-il? Droit devant eux. Forme bizarre, prodige délirant, je ne sais rien, je ne saisis rien, ne sens rien, inerte, abasourdie, hébétée, oh là, la pauvre Flore, pauvre Flore. Pauvre Flore. Mais dites quelque chose, auriez-vous perdu la parole? Lorsque les choses humaines sont à l'étroit dans les mots,
le langage éclate. Un papier disant que je suis gagné de football. Tu filmes, Nicolas ? Oui. D'accord. Tu filmeras mes journaux, demain, Nicolas ? Hein ? C'est de les apporter, oui. Je les apporterai. Je vais essayer, je vais apporter. D'accord, Cocola. Cocola. Pour mettre une sonde. Vas-y, filmez ! J'en ai deux. On a mis deux au château. Il y en a une là. Tu penses à la télévision ? Ça te fait rire, si c'est écœuré comme ça, hein. Ça te fait rire, hein. T'es dingue, t'es complètement dingue. Et puis toi, t'es cinglé, à la mort. T'es carrément cinglé. Tu crois? Il a fait une coup de connerie. Et il faut pour un fermier. C'est les soignants qui doivent se faire soigner. Ah, des fois, oui, ça arrive, peut leur arriver. Oui. Ça. On n'est pas contre. Hein, hein? On n'est pas contre. Hein. Non, mais. On a besoin de soins, nous, Ah, oui, c'est sûr que sinon on se fait soigner, on ne se soigne plus. Ah, ouais. Il y a du feu. Et tu veux pas une cigarette, là, parce que ton vieux mégot. Tiens. Piano un peu, non? Oh non. Ah, vas-y, joue des trucs. Je joue, jouer l'instrument. Bah, tu appuies là. Sur une blanche plutôt. Appuie sur les deux. Tu peux laisser les doigts dessus, hein? Oui, mais j'appuie sur les deux à la fois. Mais t'as des doigts trop gros. Voilà, ça vient. Ah, mon coin, c'est grave et assez aigu. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est comme un piano à droite, aigu, à gauche, grave. Je vais jamais toucher un appareil. C'est ça que tu chantais tout à l'heure, non? Eh oui.
Mais jouer le couplet, le ou le refrain. Non, la Marseillaise, j'aime pas trop. C'est vous qui vous exercez à tenir pareil. Vous allez me faire croire que vous filmez quand même. On tombe. De la part de qui? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? C'est vous. Severino. Alors, oh, il faudra une demi-heure pour que je la trouve. Dans une demi-heure, est-ce que ça irait? Vous ne comprenez pas. Dans une demi-heure, la moitié d'une heure, vous rappelez. Rappeler, c'est appeler une deuxième fois. Rien. Monsieur le curé, oh là là, ce sermon, Dieu, quel sermon! Tiens-toi droite. Le fond de l'air est frais, Noël au balcon, Pâques au tison. En avril, n'ôte pas un fil, mais le soleil n'est pas tellement chaud, enfin pas trop. Alors, les boucles retombent un peu. Les boucles retombent un peu sur le front cette année. Tu as vu, Tinette? Avec une vrillette sur l'oreille. Alors, il y a un tout petit problème d'ombrelle. Faut que vous la teniez un petit peu en arrière. Oui, en arrière, oui. Sinon, ça vous cache. Oui. Ce qui est dommage. Bon. C'est très belle, votre ombrelle. Alors, les boucles. Recommencez aux boucles. Les boucles retombent un peu sur le front cette année.
avec une vrillette sur l'oreille. Je pense pas. Tu as vu, Tinette? Pardon, je pense pas que le père en ait grand chose à faire. Il n'est peut-être pas si attentionné que ça vers sa femme et sa fille. Ah non. Hein? Alors, oui? Après. Pas trop chose, machin chouette, le soleil. Ah oui? Oui. Pas trop chose, machin chouette, le soleil. Après la pluie? Après la pluie, le beau temps. Tu n'as pas fini de loucher avec tes jambes. Tu n'as pas fini de loucher avec tes jambes. Tu louches les jambes, Tinette. Et la mère, tu vois ce type? En habit? En habit? Bigre, mais c'est Agénor. Agénor? Le bel Agénor? Oui. Agénor, le séducteur, regarde, Tinette. Non, ne regarde pas. La petite baffe. La cela petite... ne te regarde pas. La petite comment, c'est pas une baffe, comment ça se... Le petit soufflet. Non, ne regarde pas. Non, ne regarde pas. Ça ne te regarde pas, après. Regarde droit devant toi. Regarde droit devant toi. Bonté divine. Bonté divine, Tinette, on te regarde. Oui, à vous, Michel. Oui. En habit? En habit. Et viens tout droit du cercle. Non, de... oui, c'est ça. Oui. En habit. Hé, viens tout droit du cercle. Ouais. Viens pas de l'église. Hé. Beaucoup mieux. Merci. Bien, papa et maman. Est-ce que vous voulez le refaire ou ça ira? Est-ce que vous... j'ai à l'apprendre par cœur, c'est tout. C'est ça, mon fils. Oh, vous, la vous le savez, c'est parce que non, vous avez... Non, je ne sais pas. Si, vous le savez, mais c'est parce que vous n'avez pas le texte en main aujourd'hui, c'est ça? Mais vous le savez. Y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Vous le refaites ou... Oh non, bon. Je... D'accord. Vous portez vos accessoires là-bas? Oui. C'est très joli. La pièce vous plaît? Oui, surtout le troisième acte. Pourquoi? Parce que le château est en ruine, le vent souffle, il y a tout un bruitage à faire. Et... Les réparties sont complètement déboussolées. Ça me console. C'est ça, c'est un instrument qui passe, qu'on entend très fort. Donc surtout, il faut pas... Ah oui, oui. Parce qu'il est aigu, tu vois, il est très, très sonore. Donc les chics, quand on les entend, ils couvriront tous les autres instruments. Donc faut surtout pas que tu essayes de cogner, tu vois, faut que tu joues tranquillement, on l'entendra toujours assez. Ouais. Ok. Ouais. Juste, fais juste la main gauche, hein, pour qu'on soit bien en rythme ensemble. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Boum. Commence par un boum. Hein. Ah. Ouais, ça commence toujours par un boum. C'est ah, un chic chic boum. 1, 2, 3. Regarde-toi, Philippe, parce que.
Alors là, tu as inversé. Là, tu fais chic, doum, doum, chic. C'est un coup au cul et deux coups en haut. Voilà. Ça marche. Ah non, j'ai pas fait l'introduction. Je vais faire l'introduction comme ça, on sera tous d'accord. Hein. D'accord. Et vous démarrez juste après. Pourquoi tu y crois pas assez? Mais non! Là. Là. Tu mets ça. Il faut pas, je suis sur mon premier pas avec ma jambe. Tu mets ça. Lâche, lâche. Lâche. Là. Là. Allez, vas-y. Allez. Prends un choix, prends bien toutes tes aisselles. Mais pas comme ça, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que ce cire? Mais non, ça va pas, voyons, Hervé. Allez, doucement, on se défend là. Et avec les entrées, il y a un petit verre de vodka glacé, c'est ça? Après, on hésite un peu à se toucher les cheveux après le... un peu accentué. Mais l'Aragon, ce n'est pas la Castille. Mais la Castille, ce n'est pas... Je t'attendrai à la porte du garage dans ta voiture. Papa super, autant papa, ils le verront à votre talent. Quelle version a besoin d'aider? Voilà, et hop, et on remet à ce moment-là à côté. Et on fait une petite chose, c'est très joli, c'est très très joli, ça fait un peu émission. Voilà, c'est un plat savoureux, très coloré et qui ne revient vraiment pas cher. C'est un plat pour les familles nombreuses et cependant ça a de la vie. Daniel, au travail Daniel. Ah, ça finit pas. Tiens, poussez, allez. Ça me plairait de filmer. Grimace, malgré moi. C'est pas de ma faute, c'est de grimace.
il est là, il est chouette, ils prennent tout, ils me prennent entièrement. Qu'est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qu'il va nous rester? Et ça pique. Oui, ça pique un peu. C'est le roi d'Agobert qui a mis son moteur à l'envers. Voilà. Il faut tout enlever. Il faut enlever le pantalon. Non, non. Non, non, je rigole. C'était bien que c'était. Ça ne change rien. Pas comme ça, Ah, t'as pas de truc pour régler, là. C'est pour ça. Ça va ? Réunion d'accueil du 28 juillet 1995. Vous entendez, là ? Ah, bon. Premier point, la lettre aux familles. Invitation pour le 15 août. Ah, il faut que je lise cette lettre. Voilà. Ouais. C'était rédigé par le secrétariat du club. Oui. Alors, l'aborde le 21 juillet. Chers amis du club, voici une petite missive pour vous donner des nouvelles de la vie du club depuis le début de cette année. Comme nous vous l'annoncions dans notre lettre du mois de janvier, on n'écrit pas souvent quand même. Hein? Nos divers projets ont été réalisés. Il y a eu des séjours au sport d'hiver, des journées d'échange avec d'autres clubs, par exemple le CHS Bretonneau de Tours, une journée interclinique au mois de juin, des visites d'exposition, par exemple Brancusi. Vous entendez ce que c'est tout ? Oui, docteur. Ah bon ? Pour développer notre travail, votre soutien financier. Voilà. C'est là qu'on voulait en venir. Comme chaque année, nous vous invitons à la représentation théâtrale d'une pièce de Witold Gombrowicz, opérette, le mardi 15 août à 17h. À cette occasion, nous organiserons une braderie. N'hésitez pas à nous faire parvenir vêtements, bibelots, livres, etc., qui encombrent vos armoires. C'est pas sûr. Ils seront vendus au profit du club. Bien amicalement, le secrétariat du club, Zing Zing. Alors, cette lettre-là a été envoyée ? Oui. Cette lettre-là a été envoyée aux familles. Il y a combien de temps ? Ça fait une semaine. On a des réponses ? Quelques-unes. Ah oui ? Tu as envoyé une lettre à Taron ? Et ça rapporte ? Pour le moment, on a un chèque. On a 5 lettres et un chèque. Bah, un chèque en 8 jours, c'est pas si mal. Hein. Et on a reçu des affaires à vendre. Ah bon ? Oui, pour la braderie. Vous savez qu'il y a un spectacle au 15 août, entre la serre et la poterie. Bah, faut y aller. Hein. Faut y aller ? Est-ce que vous joueriez dedans ? Mais il y a une poterie, il y a une truc de... Oui, mais là, ça serait pour le théâtre. Est-ce que ça vous dirait une année de monter sur scène ? Vous me rendez ma main ? Ça vous dirait ? Une fois ? D'aller voir le Caroline ? Non, de monter sur le plateau et de jouer la comédie. Sur le plateau de quoi ? Sur le plateau du théâtre. Vous voulez qu'on... Vous n'avez pas vu l'endroit où on va jouer ? Venez, je vous emmène. Il y a un grand tire-bouchon. Non, c'est... On y va ? Hein ? Oh, bah, ouais. Ça vous fera une petite balade ? Alors, je vous propose une chose. Je joue l'introduction, vous vous levez et vous chantez debout. Oui, ok. Non, ça viendra pas. Et quand dans votre élan, quand vous êtes debout, vous êtes heureux, vous chantez, vous donnez la voix. Ah, quel bal ce bal! Ah, quel bal ça! 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 Ah,
mieux. Donc tout le monde chante. Ah ah ah, quel bal ce bal. Ah ah ah, ça c'est un bal. Et vous Jacques? Plutôt oh. Djaou, 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 tout. Oui, c'est oh, mais je préfère que ce soit. Djaou, 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 tout. Oui, oui, oui. You, 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 ah. D'accord, un truc comme ça. Tout à l'heure, plus tard, Guillaume chantera. On essaye ça, donc tout le monde, ah, quel bal ce bal. Et ensuite, le banquier, la marquise. Je l'ai fait, ça. À trois, tu nous fais la marquise? Oui, généralement en même temps. Oui, que, oui, j'aimerais bien. Tu peux faire les deux personnalités? Alors, donc tout le monde. Ah, quel bal ce bal. Excusez-moi, je me souviens de ça, ça devrait être. Alors on va le faire sans l'accordéon parce que sinon on va pas chanter. Jaou, 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 tout, oui, 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 you, 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 ah. Alors avec les, tous les autres invités avant, on va enchaîner les deux. Oui, c'est, vous étiez un peu en dessous, mais c'était à peu près ça. Encore, en dessous de quoi? Au point de vue volume, il faudrait que ça sorte un petit peu. D'accord, plus, un petit peu plus fort. Ah ouais. Pour retenir ça, ça va pas être coton. Hein. Non, on essaye là. Réessayez-le. Ou tout, oui, oui, oui. Ou tout, oui, oui, oui. J'en mets trois de oui, oui, oui. Tu mets trois, you, oui, you, oui. You, you, j'en mets quatre. Et ah, 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 j'en mets quatre. Voilà, on le notera avec d'accord. Un stylo. Quatre, mais oui, plutôt que oui, le lire, Jacques, il vaut mieux l'apprendre, le répéter un petit peu pour que ce soit du par cœur. Oui, il pas à réfléchir là-dessus. Oui, et puis il rajoute un you. C'est tout ça fait trois you. Quatre you. Ça fait quatre you et trois oui. Ou tout, oui, oui, oui. Et des ouja, il y en a you, deux. You, 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 il y en a quatre. Les jaouja, il les garde, je crois. Oui, c'est comme ça. Ou tout, oui, oui. Ou tout, oui, oui. Ou tout, oui, oui, oui. Oui, oui, il en rajoute un oui. D'accord. Et you, 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 you. Il en rajoute un you. Il rajoute un you. D'accord. On le refait, Jacques? Ouais, ouais, il faut le refaire. Alors, avec l'enchaînement de tout le monde? Oui. Quel bal ce bal, ah ah ah, ça c'est un bal. Jaou, 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 tout, oui, 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 you, 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 ah. Bon, ça va. Ça va, ça va. On ça dira va. Que ça va. Et Maurice, mon ami, ça plus, là. La princesse, c'est vous, oui. Maurice, mon ami, c'est étrange, la curiosité me démange. Que peut-il y avoir, non, c'est ça. Si j'y allais voir, je sais pas si c'est ça. Prudence, ne fouillons pas, soyons discrets, c'est plus sûr. Les tabourets de George Weston, les tabourets de George Weston, les tabourets de George Weston, les tabourets de George Weston. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait un reproche. Si vous veniez plus, vous seriez plus porté par le groupe. Là, vous êtes un petit peu à l'écart et je pense que c'est pour ça que vous êtes livré tout seul à vos appréhensions. Sinon, c'est partagé par tout le monde, quoi. Venez un peu plus, même si vous faites que passer ou si vous revenez plusieurs fois dans l'après-midi, mais c'est les derniers 10 jours, la dernière ligne droite. Je crois que ça vaut le coup. Aujourd'hui? Demain, oui. Mais ah, après, bon, ben oui, après essayez de venir un peu plus régulièrement. Je crois que par rapport à votre peur, c'est ce qu'il y a, c'est mieux quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en... C'est compliqué dans le fond. Oui, c'est pas... Tu sais pas quand on dit goulou, goulou, goulou... Oh, mais vous arriverez très bien. Je m'attire de gaga, 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 gaga. Allez, lancez-vous. Hall, tu donnes le départ? 1, 2, 3... On lèche, on lappe, on ravive. On suce, on cire, on en salive. À coup de langue, à coup de langue. Et à les gars, et à. On lèche, on lappe, on ravive. On suce, on cire, on en salive. À coup de langue, à coup de langue. Et à les gars, et à. On lèche, on lappe, on ravive. C'est mou. On suce, on cire, on en salive. À coup de langue, à coup de langue. Et à les gars, et à. C'est difficile la bouche pleine. Donne-la, madeleine. Oui, elle a plein de madeleines à bouffer. Attends, c'est le carton. On attend que vous ayez fini.
Le tabouret de Jean Breton. Non, c'est là, c'est au-dessus, au-dessus. Le tabouret de Jean Breton. Vous êtes têtu, hein? Celui-là, on lèche, on lappe. C'est bien, hein, le tabouret de Jean Breton. Ouais, qu'est-ce que vous m'avez donné? On lèche, on lappe. Bon, on essaye le... On essaye le... À quel bal ce bal? Oh, 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 ça c'est un bal. Voilà, il y a deux notes là. Ça c'est un bal. Ça c'est un bal. Super. À quel bal ce bal? Alors là c'est un peu différent. À quel bal ce bal? L'air, à quel bal ce bal? Oh, 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 ça c'est un bal ce bal. Au flore, au flore. Super. Voilà, donc ça, tout ça c'est tout rayé, ça aussi. Ah, oui. Voilà, oui. Donc c'est ça. Hein. Oui. Merci. Henri. C'est quoi que vous chantiez là, Michel? C'est quoi que vous chantiez, Michel? Mais en fait, Jacques, tu auras aussi à le chanter, hein. Oui, mais je sais pas. C'est simplement, on a réécrit le texte parce que c'est page 30. Oui, 31. 30, est-ce que tu veux qu'on te le réécrive là? Moi je veux bien, ouais. Oui. Parce que c'est pas. Moi je veux bien parce qu'il y a des choses qui sont pas debout, qui sont pas pareilles quand c'est pas écrit. Pareil. Donc ça, on raye. Ouais. C'est là, oui, c'est vous, c'est fort. Voilà, mais c'est à la place de ça. Hein. Alors, on chantera à la place de ça. Voilà, à la place de ça là. Mm-hmm. À quel bal ce bal? Pardon, à quel bal ce bal? Mmh. Oh, 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 ça c'est un bal. Donc un bal, en deux syllabes. Mmh. On reprend. Ah, 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 ah. À quel bal ce bal? À quel bal ce bal? Mmh. Oh, 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 oh. Ça c'est un bal, ce bal. Au flore, au flore. Bon, mais ça fait un bon petit texte. Voilà. Mais ça, c'est dans le groupe, hein. C'est une petite musique, une chanson. Mais, oui, il faut se mettre. Elle est assez difficile à chanter. Il faut savoir chanter. Ah, comment faire en mesure. C'est le voilà. Le difficile, c'est l'attaque. Oui. Hein, c'est plus, c'est de la noix. Le moment, là. Parce que l'attaque est juste après le temps. Alors si je compte. Mmh. 1, 2, 3, 4, 1. Ah 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 ah. Alors ça sera pas chanté. Hein. Oh Flore, ça sera parlé. Et là, il y aura l'introduction musicale pendant que vous direz oh Flore, je mets introduction pour vous donner la note. Oui, c'est moi Flore. Ah 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 ah. À quel bal ce bal? Oh 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 oh. Ça c'est un bal. 1, 2, 3, 4. À quel bal ce bal? Oh 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 oh. Ça c'est un bal ce bal. Au flore, au flore. Hop là. Alors Julie, à voix haute. À part quelques averses, il faisait beau en Bretagne en général.
Ici, on se retrouve dans le brouhaha, la bordure. Il n'y a pas la mer, mais l'accueil a quand même été chaleureux. C'est bien de partir, mais revenir, ce n'est pas mal non plus. Et vous signez ? Oui. Il faut trouver une petite place aussi. Voilà. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Où t'en es ton dessin qui arrive? Pas trop. Je bouge trop. Elle bouge trop, hein? Non. Non, comme ça. Et en arrière. Son côté, de son côté. C'est très exigeant. Son côté. Baissez son côté. La tête. Ce côté, baissez. Un peu de jour. Et un peu comme ça. Un peu de jour. Non. Que je la donne. Qu'est-ce que j'écrivais, quoi? Attends. Là, comme ça, voilà, comme ça. Si on pense à ça. Il y en a pour combien de temps? Une heure. Ah non, non. Vous voulez pas? Une demi-heure, peut-être. Excusez-moi, je suis obligée. Comme ça, la tête. Non. Le côté, comme ça. Là, et comme ça. Non, comme ça, la tête. Voilà. C'est marrant. Peut-être comme ça. Ouais, c'est ça. Sophie, c'est pas évident. Ah oui, mais non, t'es très exigeante, hein, Sophie. Imagine. Non. Comme ça, voilà. Comme ça. Comme ça, plus en arrière. Je bois mon café. Tu me dessines en buvant mon café. D'accord. Les deux vous l'avez vu? Ouais. Alors? Baissez vos têtes. Qu'est-ce que vous dites? Non, là, comme ça, vous voilà, comme ça, un peu plus, là, comme ça, avant. Non, c'est à droite, tout droite. À droite, tout droite. Voilà, à droite, droite. Et penchez comme ça. Comme ça. Non. La veste, comme ça. Voilà. Elle est plus près. Là, voilà, tourne la tête. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Sophie. Comme ça. Excusez-moi. J'ai mal au cou, après. C'est comme ça, vous n'avez pas mal au cou, comme ça. C'est comme ça, si vous voulez être dessiné. Attendez, j'évite. Oui, tu fais approximativement, tu fais styliser, quoi. Parce que je ne peux pas rester une heure comme ça. Tu dessines pas les lunettes, je t'enlève les lunettes. Ginette, un beau gars. On arrête le signe, moi. Je me trouve là, je me trompe là. J'ai trompé, moi. Arrête. Seulement le bruit du crayon et de gomme. Ah non, mais là les trucs. Elle a des traits là. Ça peut être difficile à dessiner parce que j'ai des traits, c'est difficile. On dirait des traits d'oreillon dans son oreille. J'ai des pommettes très fortes. On appelle des traits d'oreillon. J'ai les yeux très enfoncés, c'est difficile à faire. Les traits de quoi? D'oreillon? On appelle les traits d'oreillon parce que la bouche est un peu sur lui, mais ça. C'est noir et blanc couleur? C'est noir et blanc couleur? Couleur. Ah, bon. C'est beau? C'est beau? Mais on va voir. Ouais. Là, on voit que la moitié. Hein. C'est vrai. Attendez, j'ai mal. Hein. Tu veux faire tailler la barbe, Claude?
Ou les oreilles en pointe. Ou les oreilles en pointe. Les oreilles en pointe. Mais non, les oreillons. Les oreillons. Ah, les oreillons. Ouais. Moi, je veux bien essayer de tailler la barbe. Ça gratte, hein. Là hein, ça gratte, bah oui. Bah, bouge pas parce que je vais te couper. Hein. Allez, hop, tu lèves la tête. Ferme la bouche, sinon ça va tomber dedans. Ah, dégueulasse. Oui, bah, oui, je sais bien, c'est pas facile. Dégueulasse, que tu fais. Mon pauvre. T'as un acteur à l'envers. Mon pouf. Ton pouf, hein? Oui, j'ai un pouf. Pour s'asseoir? Ma bague anglaise. Ouais, bouge pas. Ah, tu me fais mal, j'ai pas coupé la barbe. Bah, j'essaye, hein. Avec un truc comme ça. Je suis un pauvre apprenti. Bon, ça suffira parce que. Bah non, parce que attends. Allez, je perds les sandales. Attends, bouge pas. C'est le salaud, quoi. C'est bon, monsieur Pain. Hein. Monsieur Pain? C'est qui, monsieur Pain? Bah attends, je fais le reste de la moustache parce que sinon tu vas avoir une moustache courte et une moustache longue. Bon, bah donne-moi quelque chose de propre, désolé. Pourquoi? Désolé, hein, va voir. Ma chape est beau, non? Mais non, t'es assis, de toute façon. Bah là, tu bouges pas, parce que si tu bouges, je risque de te blesser. Hein. Tu fais mal. Je te touche pas. Tu fais mal. Oh, que dégoûtant, j'ai figé comme ça. Bon, deux secondes. Bon, un sucre. Un sucre. Alors, un sucre. Dans deux secondes, je termine. Avec mon peigne. Qu'est-ce que t'en dis, là? Ça te va ou faut plus court? Claude. Est-ce que tu veux plus court? Tu t'endors? Oh. Claude. T'endors pas, Claude. Est-ce que ça te va? Regarde dans la glace. Est-ce que ça va? Ou est-ce que tu veux plus court? Mais c'est cigaro, je cherche. Comprends? Non, mais le Figaro. Le Figaro? Bah oui. Le journal? Le journal. Bah, je sais pas si on est là, hein. Je crois pas qu'on ait ça ici. Ah bah c'est là fort, un petit truc normal. Ah les crêpes, c'est pour quand? C'est là. Au paradis, tout le monde va au paradis. Tout le monde va au paradis? Bien sûr. C'est raté. La machin est contre, presque au-dessus du frontal, du fond. C'est raté. Et ben tu le reprends. Là, c'est ton manteau. Il aurait fallu se limiter à faire une tête que là, pas là, juste là. Parce que là, elle a fait une, la remontée de chevelure, puis là, tout à coup, ça revient, ça refrait ça sur la gauche. C'est pas mal, Sophie, si tu mets tes yeux plus par là. Tes yeux, ils peuvent pas être face, hein, puisque si tu l'as prise comme ça, tes yeux, ils sont pas... Tu vois? Pourquoi pas? Ton nez, il est où? Bah, j'ai mal, chérie. Bah, tu peux le refaire, ton nez, ça fait rien. Ouais. Ça fait un portrait à la Dali. Fais-toi du feu. Ou à la, je sais pas quoi, l'application. Continue? J'ai peur de me rater. Ah, mais si tu continues, tu vas pas pouvoir avoir peur de rater puisque tu continueras pas. Mieux que tu continues. D'accord. T'essayes un peu? Vous voulez bien que je refasse?
Hein? Mais je vous refasse. Mais. Je veux une marque, vous êtes marque. Vous voulez pas? Quoi? Et je dessine. Ben. Si tu peux, oui. Sucre, hein, c'est bien. Hein? Tu emmènes ton dessin là? Après le thé? Ou tu le laisses au club? Ton dessin? Tu le laisses au club? Tu le laisses au club? Je le dis. Tu veux signer? Tu veux mettre un petit mot, comme quoi c'est toi qui l'as fait Mouillé. Ah oui, ça c'est mouillé. Oh ben, oh c'est bien mon dessin. Je suis heureux. Attends. Tu as dû le mettre sur un truc qui était... Les aveugles, où ils habitent? Pardon? Les aveugles. Oui. Où ils habitent?
Le fond de l'air est frais. Noël au balcon, Pâques au tison. En avril, n'ôte pas un fil. Mais le soleil n'est pas tellement chaud. Enfin, pas trop. Je m'interromps. Pas trop chaud, machin, souhaite le soleil. Hein, j'oublie. Non, un proverbe. Hein, ça fera mauvaise impression. Je regarde. Pas trop chaud, machin, souhaite le soleil. Après la pluie, le beau temps. Et la mer, tu vois ce type là-bas? Hein, elle répond en habit. Et je dis, bigre, mais c'est Agénor. Elle dit une tirade sur la beauté d'Agénor. Et je réponds, la beauté d'Agénor. Oui. C'est une. En habit, hé! Hey. Viens tout droit du cercle, viens pas de l'église. Hey. Maintenant que j'ai eu l'honneur de vous être présentée, mademoiselle, je me permets de vous demander si je peux me reposer un instant à côté de vous sur le banc. À distance respectueuse. Infiniment respectueuse. Mais je vous en prie! Monsieur le comte est bien bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais? Ceci comme j'avais fait un rêve. Comme si une main... Oh oui, un rêve. Comme si une main... Comme ça. Une main... Songe, monsieur. Je te promets. Je te promets. À quoi songe, monsieur le comte? Que fait monsieur le comte? Que fait monsieur le comte assis là à côté d'une fille comme moi? Avec votre permission, mademoiselle, je suggérerais l'hypothèse d'un flirt aérien ou d'un flirt butterfly. Les femmes, les femmes, c'est comme le Navarin, sauce Bolmonta. Préférable de ne pas en abuser. Indigeste. Ladislas, combien de femmes en tableau de chasse? 257, monsieur le comte, et 256 pour le baron Firulet. Ah, flatulence, ballonnement, statistiques et migraines, loi des grands grombres. Oh. Mais puisque nous voilà sur ce banc, je vous invite chez Maxis. Je n'aime que les femmes farcies, mais que farcies des plus grands menus dans les plus grands restaurants. Des huîtres bardées de langoustine, des fleurs d'Autriche cardinale, du fleur saumon fricassé de bécassine. Oh, oh, l'optimisé, la bajou cramoisie. Je ne sais pas quoi. Et ta flagrance affole. Oui, oui, mais j'ai pas la tête. Ta flagrance affole, mais sans. Alors. Au galop, au galop, au galop. Des sabots dans ma tête. Des galop, des rien. C'est le galop. C'est le galop seul qui me possède. Et peur au nom cravachon. Des galop. Galop, c'est mon rêve. Galop, galop ou crève. Le galop, c'est ma loi, c'est moi. Bon, il faut qu'on l'arrête sans se planter, hein. Ouais. C'est dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Non, 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 non. Au galop, au galop, au galop, des sabots dans ma tête. L'autre n'est rien, c'est le galop, c'est le galop seul qui me possède. Et peur au nom cravachon, le galop c'est mon rêve. Galop, galop ou crève, le galop c'est ma loi, c'est moi. Ça va, là c'est revenu. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait. Refais-le tout seul une fois. Au galop, au galop, au galop. Le galop, c'est... Des sabots dans ma tête. Des sabots dans ma tête. Tu vois, j'ai des trous dans ma tête. Au galop, au galop, au galop. Des sabots dans ma tête. Le trône n'est rien, c'est le galop.
Le galop seul qui me possède, éperon, non cravachon. Le galop c'est mon rêve, galope, galope ou crève. Le galop c'est ma loi, c'est moi. Évitez de galoper trop dans le tempo, hein. Essaye de, tu vois, de pas galoper trop en avant, quoi, de rester bien, bien stable, sinon je pourrais pas te suivre. Au galop, au galop, au galop, des sabots dans ma tête, le trône n'est rien, c'est le galop seul qui me possède, éperon, non cravachon, le galop c'est mon rêve, galope, galope ou crève, le galop c'est ma loi, c'est moi. Ouais, c'est un peu revenu. Ça y est, c'est bien. Ouais. Philippe, ça va? Tu te sens prêt, là? À faire quoi? Mais pour la représentation? C'est dur parce que... C'est très dur parce que je ne sais pas trop quand je dois entrer, quel rythme adopter, de quelle manière orienter mon instrument, et surtout d'essayer de communiquer avec l'ensemble de l'assemblée qui est en train d'écouter la musique jouée. Voilà, ça fait un certain nombre de nécessité à affronter pour arriver à faire un petit peu quelque chose. Alors je dis simplement que j'essaierai de le faire durant la fête. J'espère y arriver. Voilà. Mais ce n'est qu'un espoir. Je m'en tiendrai à mon chef, chef de musique, s'il tient toujours à ce que je joue au jour donné. Voilà. Au jour de la fête à la mort. Voilà. Et sa bouchette et ses quenottes, quelle mignonnette Albertine. Je suis Albertinette, c'est moi la mignonnette. Je n'ai jamais sur le tombeau. Ah, comme elle danse, comme elle s'amuse, et de l'amour, et de l'amour, toute nue, oh, toute nue. Sortit Albertinette, sortit de sa cachette. Que faisais-tu dans ce cercueil? Que faisais-tu dans ce cercueil? Non, 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 tu ne comprends pas. Non, 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 on ne saisit pas. Albertinette, revoilà. Au salon d'habillage. Tout de suite. Oui, allez donc vous planquer derrière le paravent. Oh ben ça quel va. Paravent? Là ou l'autre, hein. Il y en a un là-bas. L'un ou l'autre, celui qui vous va, dans lequel vous vous sentez le mieux. Oui. Et puis alors les chemises en fait. Les chemises sont petites. Bon. Un peu plus tard. Oui. J'arrive là. C'est une invitée aussi, David. Tu pensais à ces barons et ce...
Mais moi, je sais pas danser. Ce compte ingénieur, alors, c'est parmi les danseurs de ce bal avec le compte ingénieur et le baron Firulaire. Mais dites donc, vous êtes né pour être marqué, vous. Ça lui va bien. Faut qu'on trouve un truc pour mettre en scène. Avec ses speedos, tous les speedos au pied, moi je trouve ça génial. Il y a des jabots, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bas blancs, il y a tout ce qu'il faut. Vous allez en tête. Voilà. Merci. C'est vous, Sophie, qui avez dessiné le programme ? Mmh. Oui ? Bien, non ? C'est bien, non ? C'est très beau. Et qui est-ce qui a eu cette idée ? Marc Ledoux, je crois. Il vous a dit qu'il faut dessiner un musicien, un flûtiste. un homme avec une canne, il m'a dit. Un homme avec une canne ? Mais c'est pas un homme avec une canne. C'est plutôt un musicien, on dirait. Elle a dit, je dessine ce que je veux. Elle a choisi un... Je lui ai raconté un petit peu la pièce. Elle s'est choisi un modèle. Et c'était un homme qui jouait du jazz. Ouais. C'est vous qui m'avez présenté. Ouais. C'est beau, hein? Mais c'est vous qui avez fait votre choix. Vous avez dit, ça, non. Ça, non. Ça, oui. Elle a fait son travail comme d'habitude. Elle est allée chercher son matériel. On lui raconte, Sophie, écoute. Hein, vous êtes allée chercher votre matériel dans votre chambre. Vos crayons. Comment s'appellent ces crayons? Non, je ne sais plus. Sophie, Attendez, je prends pause. Oh oui, je prends pause, je parle avec ma mère au ciel, ouais, c'est ça. Là. Outre-mer. Hey. Oui. Comment ça s'appelle ces crayons avec lesquels vous avez travaillé? Un crayon dans mon papier. C'est ça pour moi? Non, mais oui, on va bien. C'est tout? Ah, c'est tout. Oui, je pensais que vous aviez utilisé... Le fusain, il y avait le fusain, mais j'aime mieux ça. Voilà, c'est ça. C'était plutôt gros, le fusain. Voilà. Moquez-moi, hein. Pas du tout. Et après, comment vous avez travaillé, écoute? Avec ma tête et beaucoup ma conscience. Voilà. Avec sa tête et sa conscience. C'était vraiment un massage de shiatsu chez un chinois de Jin. Voilà.
Voilà. C'est qui va me coiffer, me maquiller, moi? Un service, je suis désolée, moi je peux pas. J'ai jamais fait. Parce que toi, tu joues? Oh, je joue, je figure. Tu figures? Elle danse avec Hervé. Elle danse avec Hervé? Oui. T'es grand et t'es mignon. C'est quoi, toi, dans la pièce? La mère d'Albertine. Et elle fait quoi, la mère d'Albertine? Ben, elle la gronde. Ah, elle est sévère, alors? Oui, elle est autoritaire. Tu veux que je te fasse une tête de sévère? Oh, pas trop, quand même, non. Pas trop de sévérité. Je pense que c'est pas grave s'il tombe quand je danse. Tout c'est qu'il tombe pas tout de suite. Tripote pas trop, les Anglaises, hein. C'est un peu comme ça. Voilà. Non, pas trop. Comme ça. Voilà, voilà. On voit que tu n'as jamais vu ta mère te maquiller pendant 2 heures. Hein. La mienne, elle faisait tellement de grimaces. Regarde devant. T'as trouvé l'huile, Sylvie? On est dans les temps pour l'instant, c'est magnifique ça. Qui est-ce qui manque, qui n'est pas habillé? Qui on n'a pas vu? Quand on est comédien, mon vieux, on se laisse faire. Hein. Autrement, on va être vendeur prisonnier. J'ai même une voisine qui maquille ses mômes. Non. Il cherche à quoi que je me donne de ses mômes, je pourrais pas. Je pourrais pas. Un truc qu'à la fin, on... Tais-toi. Le moment le plus important n'est qu'à la fin où Ginette dit le cul. Et là, il y a tous les valets, il y a tous les invités qui se mettent à reculer, je fais que ça. Je fais que ça comme quoi. Il tient pas, il y a un coup de vent, il a s'échappé. Fermez la bouche, Denise, parce qu'il faut que je fasse votre moustache. Alors faites. Pam, 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 les seigneurs, ah voici le comte, le comte, le comte à gêneur, ah voici le comte à gêneur. Oui, c'est bien, mais c'est tout fait. Bonjour, merci d'être venu, c'est sympa. Vous n'avez pas abandonné, vous avez tenu jusqu'au bout. Et puis, maintenant, alors là... Reculez, amusez-vous. Et alors, même si madame... Excusez-moi, je ne sais pas si elle est encore là. Même si madame Rita Gombrowicz est là, le texte peut souffrir nombre d'entorses, il s'en remettra. Lui, il n'y a pas de problème. Et nous aussi, amusez-vous. Et en tout cas, merci d'avoir tenu aussi longtemps sous cette... Merci à toi, Marie. Exigence, parfois un peu merci. Voilà. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on laisse les gens s'installer. Je fais un petit speech, hein, pour dire un petit peu comment on a fait et tout ça. Pas très long, rassurez-vous. Et après, on va y aller. Attends, je dois savoir, je ne vais pas me tromper sur la date de la pièce, parce que ça, vu que la... Ça a été écrit quand, ce truc? De Witold Gombrowicz. Je pense que pour la plupart de vous, c'est un auteur un peu inconnu. Donc en fait, je ne vais rien vous raconter parce que vous vous laissez la surprise de découvrir ce texte absolument magnifique.
dans lequel on s'est enfoncé petit à petit et dont on a découvert la force et la résonance, et qui est vraiment un texte qui est au plus près de, nos, de nous, je crois, et de, du monde dans lequel on vit. En tout cas, je vous souhaite un très 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 bon moment en notre compagnie, et puis à tout à l'heure. Allez, allez, Jacques. L'escalier, Jacques. Ah, voici Agénor. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ledoux! C'est bien le compte à gênant. Et c'est bien le compte à gênant. Ladislas, combien de femmes ont mon tableau de chasse? 257 ce jour, monsieur le comte. Et 256 pour monsieur le baron Furuset. Oh, 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 le compte à gênant. Ah, 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 le baron Furuset. Diable, le baron, baron sur le baron, je suis le comte Agénor, de ces dames le trésor, d'Andy et Mirliflor. Agénor est un lion, darling des salons. Dans 5 ans? Oh! Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans! Où en serons-nous? Où ira le temps? Et alors? Vers où, vers quoi? Dans quel but, dans quel sens? Eh bien, au galop. Ça me dans ma tête, le trônerien, c'est le galop. Le galop seul qui me possède, et peu renombre à Vachon. Le galop, c'est mon rêve, galope, galope ou crève. Le galop, c'est ma loi, c'est moi. Les tabourets dans ma femme. Avis à la population. Le prince et la princesse Himalaya prient les habitants de notre agréable contrée de bien vouloir pavoiser le village, fleurir les balcons, mettre leurs plus beaux atours et des chaussures, et laver leurs enfants. S'il vous plaît. Car la nudité, mes chers amis, c'est démagogique. C'est même carrément socialiste. Je me demande bien ce qui arriverait si les gens du commun découvraient que notre cul n'est en rien différent du leur. Hein? À vrai dire, dans notre milieu,
on trouve des gueules qui sont pires qu'un cul. Oh oh D'abord, c'est vous qui m'avez rendu malade. La société, en général, je fais pas de cadeau. La société en général. Et maintenant, je vais mieux, grâce à la société aussi. Je vais mieux. Et oui, je voulais vous donner un conseil, si vous permettez. Oui. Ne parlez jamais de votre santé à un médecin. Parce qu'il pourrait vous asservir. Je ne suis pas asservi ici, mais je suis offert au médecin. Mon frère s'y prend différemment. Quand on lui parle de psychiatrie, il prend un prétexte et il va à la cave. Ah. Voilà ce que je vais dire. Et si vous nous parliez un peu de la représentation de... Oui. D'opérette, comment vous l'avez Marie. Vécu ouais. J'ai appris un peu, d'abord, et après tout s'est déroulé très vite. J'avais Marie à côté de moi, Marie Lady, et ça a été tout seul. J'ai hésité sur une phrase, je ne sais plus laquelle. J'ai hésité, mais tant pis, ça s'est bien passé. La pièce est très, très adaptée à la borne. Ou alors, elle a été bien traduite. Victor Vitold Gombrowicz a permis à sa femme de venir. Et j'ai salué. J'étais bien fier de saluer un écrivain. La femme d'un écrivain. Et maintenant, je flotte un peu. Marie est en vacances. Le metteur en scène est en vacances. Elle a bien mérité. Elle se donnait un mal fou. Oui. Vous flottez un peu ? Oui, un peu. Oui. Mais je suis à la borne, alors je crains rien. Parce qu'on se sent... protégé ici. Oui. Pas exactement. Comment dire. Materné, non. Mais on est protégé de l'extérieur. On est entre nous.
Et vous, vous êtes entre nous aussi. Maintenant. Thank you.